Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. C'est édition Chita Tande Nouvelle ça qui entre la caillou. Moi, c'est Met Info. Quel que soit côté branché, nous disons bienvenue sur le canal Information sans force côté. C'est toujours un grand plaisir pour nos amis téléspectateurs, amis internautes, pour nous présenter aux éditions Nouvelle Paula. Gros révélation RNDDH. Et bien, gagné plus passé 40 policiers agents USGPN qui déjà crasé rack, qui quittent le pays d'Haïti après. Assassinat président Jovenel Moïse là, d'après directeur exécutif RNDDH là, Pierre Espérance, qui fait qu'on est la travail pour préparer un rapport sous assassinat et spectaculaire si là. Après commissaire gouvernement Port-au-Prince là, Maître Bedford Claude, ben il était fini mettre un mandat d'amener derrière juge Wendell Coctello. Eh bien, journée jodia, c'est une interdiction de départ, l'imandé directeur immigration et émigration d'Haïti, M. Joseph Chanchouli, eh bien, pour éviter que juge Wendell Coctello quitte le territoire pays d'Haïti, par quel que soit moyen, donc pour empêcher le sorti quitter le pays d'Haïti. Donc, yo lagué mandat ça. D'ailleurs, pour présumer implication dans l'assassinat qui fait sous président Jovenel Moïse. L'autre information gagnée, batterie avocat cap défendre juge Wendell Coctello dans le dossier ça, eh bien, il a passé à l'offensive côté, il a continué à critiquer le mandat d'amener ça, il a qualifié d'illégal et il a dit qu'il a monté. Donc en référé pour yo capable casser mandat illégal ça yo mette. Donc commissaire gouvernement à Port-au-Prince Maître Bedford Claude mette derrière client yo wa, donc pour présumer implication dans assassinat qui fait sous président Jovenel Moïse. Gen plusieurs organisations qui proche opposition dans pays d'Haïti qui a tamen yon gros mobilisation journée 28 juillet à Port-au-Prince qui a sorti sous champ de masse pour aller devant l'ambassade américaine à Port-au-Prince, donc pour être capable de dénoncer Madame Michelle Sisson qui est ambassade américaine dans le pays d'Haïti, donc qui était joint poste dans Washington mais qui toujours chita dans le pays d'Haïti. Eh bien, pour que yo dénonce le peut-être livré, eh bien, imposer pays d'Haïti yon premier ministre sans, donc yon gouvernement, yon premier ministre sans président, donc en violation avec article 133 pays d'Haïti qui dit pays a gagné yon exécutif à deux têtes qui c'est yon président avec yon premier ministre. Amis téléspectateurs, amis internautes, nous toujours contents de rejoindre pour nous présenter l'édition Nouvelle ça. Nous préparer pour vous gros révélation sous enquête cap mené sous assassinat qui était fait sous président Jovenel Moïse. La caille en pèlerin 5 dans date 7 juillet passé a gagné plus passé 40 policiers agents USGPN qui crasé rack qui déjà quitté pays d'Haïti d'après ça. Eh bien, directeur exécutif RNDDH lui-même li fait qu'on est. Donc, Pierre Espérance annoncé, eh bien, la ramasser information, ramasser données pour le capable produire un rapport sous assassinat qui était fait sous chef l'État. Donc, Pierre Espérance li te nan micro confrénon Hervé Noël de Radio Kiskeya. Tout policier qui est là, ils ont été envoyés tout à Caïmo. Ils ont été envoyés tout retourner dans la poste de la Palais nationale. C'est une semaine après, les populations commencent à poser des questions pour limiter les armes de recherche, limiter les émissions de départ. Et puis, c'est une semaine après, ils ont commencé à arrêter des responsables qui étaient dans la chaîne de sécurité dans la Palais nationale. Alors que, mon bande et policiers, combien est-ce qu'on s'en tient? Mais nous, pour petit 40, pour petit, vous quittez le pays. Comment vous faites et quittez le pays? Donc, qui s'est passé? Puis nous, ouais, nous, manipulation qu'a fait dans l'opinion publique là, et bon côté du monde, des régimes là même, pour nous orienter en tête là. Il y a combien d'elles? Vous voyez là, l'organisation de la monde va faire l'accord.
Mais justement, nous-mêmes, nous responsables. Si nous avons une information qui est sensible, qui est portée dans le cadre et de ces armes, c'est partager avec les lois, avec la justice, mais la police, mais, et la police judiciaire. Et parce que, faut qu'on soit capable de faire une différence entre le coïncident, ou le massacre, ou le monde qui est tué, et dans une zone côté qu'on est capable d'aller dans une zone là où il est fait, ou encore une famille victime, ou est-ce une dépêche, ou un constat, une famille victime, avec victime, et témoin, etc. etc. Mais il ne faut pas qu'à faire, même gens ne fassent passer avec Jovenel Moïse, parce que toute information, il aurait été dans les autorités. Et des mêmes que l'éclame public a cité, il y a suspicion sur moi, c'est eux-mêmes qui viennent éclame de c'est eux-mêmes qui dit, mais ça se passe dans Russie. Donc nous arrivons, où est-ce qu'il est du temps pour la justice des autres, pour dossier attention et dans mon juge. Et pour société à capable de porter contribution par lui. Parce que aujourd'hui, sans capable de faire une imagination, une opinion, dans les médias, dans les cas, on va de médias qui procèdent dans la base d'informations qui est oublié. Nous avons besoin de l'équipe de passer. Parce que aujourd'hui, ce n'est pas cette commission, c'est pas avec ce soit faite propagande, soit organisation de la monde, etc., qui va faire rapport, etc. Pour qui ça va rendre. Qui m'a dit nous a de présenter. Nous n'avons pas demandé et nous n'avons pas national. Est-ce qu'on déjà? Est-ce que la commune dit que c'est déjà déjà? Donc, on n'a pas quelqu'un qui est clamé qui est clamé, on sait ce qu'on t'a dit. Donc, nous, population a le droit à la vérité. Ça se passe Jovenel Moïse là, dans 1607 privé, dans 1606 privé, c'est bien de l'île. C'est un choc pour la population haïtienne. Toujours dossier assassinat, enquête sous assassinat qui était faite sous président Jovenel Moïse. Après, il était fini mettre un mandat d'amener derrière juge Wendell Coctello. Donc, commissaire gouvernement à Port-au-Prince, M. Bedford Claude, eh bien, il écrit une lettre voyé by directeur immigration pays d'Haïti, immigration et émigration pays d'Haïti, Joseph Chanchouli. Pour Mandel, eh bien, pour prendre toute disposition pour empêcher juge Wendell Coctello quitter le pays d'Haïti par n'importe qui moyen. Donc, quelques temps après, donc, Mézi, interdiction de passer, te prend, eh bien, DCPJ, lui-même, t'as fouillé caille, DCPJ, qui c'est direction centrale de la police judiciaire, t'as fouillé caille, juge Wendell Coctello, nan pèlerin. Batterie avocat cap défend juge Wendell Coctello dans dossier mandat d'amener commissaire gouvernement à Port-au-Prince M. Bedford Claude la gueule pour présumer participation dans assassinat sous président Jovenel Moïse la continuer et ben dénoncer donc il continuer dénoncer caractère illégal mandat cela M. Edwin Koch qui s'est frais juge Wendell Coctello dénoncer mandat d'amnesila li dit qui violé article 24 maman loi pays d'Haïti donc maître Edwin dénoncer tout la police nan la Tibonite li dit qui t'a fouillé Kaili nan marmelade donc li fait connait la traîner yo toute disons devant la justice sous Bopal maître Marc Antoine Maisonneuve lui-même li dit eh ben yo pral fait une action en référé pour capable casser mandat illégal ça commissaire Port-au-Prince lagué derrière juge Wendell Coctello donc maître Marc Antoine Maisonneuve fait qu'on ait un autre pas et ben la justice t'a doué reler Claude Joseph ancien premier ministre AI donc qui t'a bail démission là et ben pour que li t'a vienne répondre question la justice d'après révélation journal Noticias Caracol t'a fait pour dire et ben il t'a gagné gros lien dans question assassinat qui était fait sous bien président République là nous invitons écouter une après l'autre maître Edwin Koch avec Marc Antoine Maisonneuve m'a posé tête une question est-ce que on va traiter un juge dans cour de cassation au pays tant qu'on voyou puis a traiter des monde qui fait vol à mais que monde qui dans assassinat sans que pas gagne aucune preuve aucun indice réel et ça qui grave là. Commissaire gouvernement prend code pénal là, j'y sous tête, il fait code pénal là par les gens vrais. Commissaire gouvernement fait comme si, pas aucun monde dans le pays qui comprend
comment droit pénal fait? Qui t'aime dit nous? Code de section criminelle là, mais qui ça le dit? Là, il y a un crime qui passait. Commissaire gouvernement gagne pour obligation pour le même jour. Ou bien dans 24 heures pour transporter sur les lieux du crime. C'est non cas ça seulement. Si le commissaire gouvernement était parlé de suspect, suspect à la patte là, il a émettre un mandat d'amener. Et ce grand bagaille qui pour faire, le commissaire gouvernement gagne pour prendre tout et tout ça qui gagne, tout procès verbal, par son réquisitoire déformé pour dossier à déférer par devant la juridiction destruction. Voici que, à la date du 23 juillet, plus de 15 jours après la perpétration du crime, commissaire gouvernement émet un mandat d'amener contre qui est-ce? Contre supérieur hiérarchique. Ça veut dire bagaille en tête en bas. C'est comme si regardons son chef section qui a arrêté, qui veut un mandat pour arrêter un colonel. Parce que le commissaire gouvernement a une capacité pour arrêter un juge de la Cour de cassation, à moins qu'elle t'a qu'un bel en flagrant délit, la fait un bagaille. Et je ne dis pas ça qui est plus grave. La police tellement agit de manière aveugle, j'ai oublié que moi-même, que je suis avocat et en tant que tel, statut fait que domicile PAM, c'est un bagage qui est violable. Voici que hier après-midi, résidence privée, même la deuxième résidence, moi, la police fait perquisition là-dedans. Et ça fait tout à l'heure là, moi pour aller écrire directeur général de la police à M. Léo Charles, pour me rappeler que par mon statut d'avocat, la police n'a pas le droit d'entrer la caille, et moi l'attaquer. La police nationale ainsi que le directeur départemental de la police de la Tibonite, parce que l'article 27 constitution dit Léon Moun fait acte arbitraire, laisse lui engager responsabilité personnelle li, en matière pénale et matière civile. Faut directeur départemental de la Tibonite dit quelle qualité qu'elle a le fouillé résidence. Moi-même, je ne vais pas confondre avec magistrat Wendelkoch. Magistrat Wendelkoch, c'est seul moi, j'ai droit pour me défendre lui, mais c'est mon résidence PAM, lié violable, la police pas un droit entre la caille. Et deuxième, l'autre bagaille, je voulais dire nous. Mandat tête chargée ça, nous pouvons relever le commissaire gouvernement devant l'instance concernée pour le venir avec le procès verbal qui est dressé. Léon Tekin, le magistrat Wendelkoch, ça vous dit le vol. Il faut le venir avec le procès verbal là. Voilà pourquoi nous allons faire action devant l'instance compétente pour que le mandat ça lui annule. Et non seulement annuler le mandat, nous allons faire action en réparation civile, parce qu'il faut qu'il y ait une raison pour commencer à tracer ici. Les nègres qui ont un job, ils ne peuvent pas connaître que ils ont qu'à poursuivre. Après, nous avons une raison que nous comptons à partir de ça qui passe. Ce sont des ordres. L'un des flagrants, le commissaire du gouvernement n'a pas fait rien, pas que le prince n'a pas fait rien, et que ce n'est pas après expiration et dès les flagrants pour y a faire persécution politique sous magistrat ça qui très honorable qui c'est magistrat Wendelkoch Tello. Et il y a des gens qui t'a posé question ça. Bon, puisque mettre mes honneurs, nous parlons phase, nous parlons dès les flagrants là, mais ça qui a passé, est-ce que c'est pour toute bagarre crampée? Non, nous ne l'avons pas dit. Nous dit tout simplement que des pourtant dès les flagrants là fin écoulé, c'est enquête là qui peut faire chimel. Autrement dit, c'est l'enquête qui doit précéder l'émission du mandat d'amener. C'est l'enquête qui doit précéder la privation de liberté. C'est-à-dire qu'il y a une enquête avancée et que l'enquête a fait, il y a dit mais qui est-ce qui était confié au loi avec Jovenel? Mais qui est-ce qui était tapé Jovenel? Est-ce que c'est Matéli? Est-ce que c'est Claude Joseph Elatrier? Bon, bah, pour nous du tout. Il y a une notice à Caracol. Vous êtes comme ça, mais la signe pas trompé. Notice à Caracol dit mais on est intellectuel dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Parmi les gens qui sont là, vous citez nom Claude Joseph. Mais croyez-moi si vous voulez, jusqu'à cette présente minute, pas même une invitation qui fait à l'endroit de Claude et Joseph. Et au compte qu'il a décidé en dehors de des flagrants, de ses mandats, l'encore magistrat Wendel Cocteau, nous pouvons emmerder, c'est à la suite d'une réunion qui a eu lieu chez Michel Joseph Matéli. Quand on dit, ah, ou elle en face à côté de nous là, pour nous gagner le pouvoir dans la main, nous, on nous intimider, on nous avancer sous tout poids lourd. Tout le monde nous pense qu'il y a un minimum de notoriété, de légitimité, que le peuple a choisi et que le peuple a mis en détention pour voir ça. C'est dans l'optique ça qu'il faut, ouais, il a fait persécution politique sous madame, sous magistrat Wendelkoch Tello. À cette phase, nous estimons et qu'il est nécessaire de solliciter le support de tous les étudiants, toutes les étudiantes
de la magistrat. Tout le monde qui était contre encadré dans la mémoire. Toute génération qui le formait. Parce que pas oublier, son brillant professeur lié, oui. Et là, quand on va manger comme ça, non. Nous demandons tout le monde pour nous faire preuve de vigilance, pour nous protéger, pour nous dénoncer l'injustice, en attendant que nous-mêmes, avocats, nous allons par devant le tribunal pour nous casser Jol et mandat et d'amener ça. Souvent par la maître Arnel Rémy qui lui-même tout fait partie de la batterie avocat cap défendre juge Wendell Coctello mandé président la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif là maître Rogaville Boisgené et ben pour choisir yon l'autre collège juge pour tendre dossier maître Wendell Coctello. Maître Arnel Rémy et ben il dit il espérait avocat direction générale impôt pas pral requiser nouveau juge ça yo encore pendant l'été tout et eh bien profiter mandé la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif pour annuler et eh bien tout décret scélérat président Jovenel Moïse lui-même l'été mettait dehors sous bon pal gagnant maître Lorenel Louis qui c'est juge disons avocat cap défendre juge Wendell Coctello aussi lui dénoncer accusation et eh bien charge vol armé donc paquet à lui-même li mette nan mandat li mette derrière juge Wendell Coctello donc maître Lorenel Louis fait connaître c'est yon copie collée donc maître juge Wendell Coctello pas ta capable nan question vol armé puisque c'est yon juge qui gagne en pile prestige qui formé en pile génération avocat d'après ça le fait connaître. Maître Lorenel Louis mandé tout et ben pour la justice tendez Martine Moïse avec petit garçon Joverlin Moïse et ben pour et bien parole yo te dit dans discours yo qui était montré et ben gain pisse yo bay sous et ben éventuel monde qui était assassiné chef l'état. Il mandé tout pour t'attendre Gabriel Fortuné ancien sénateur et ben lui-même tout qui bail détail qui dit et bien assassinat Jovenel Moïse la gain parraine donc yo quoi lui-même tout a doué vienne répondre question la justice donc nous invitons à écouter yon après l'autre maître Arnel Rémy avec maître Lorenel Louis. Nous lançons ce message au président Boisgené puisque peut-être par éthique et par morale les avocats vont se retirer de ce dossier parce que le fait que l'état haïtien dit gain illimité capital. Donc peut-être que nous n'avons pas senti à l'aise vraiment pour continuer aussi ça. Nous sommes sûrs et certains que dans les heures qui vont venir, le président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif va se débrouiller pour désigner un autre collège. Et là, le président finit choisir l'autre collège. Collège non. Avocat l'État ici n'est pas bien récusé encore, non? Il n'existe pas d'élément légal, pas de texte de loi non, qui appuie. Récusation déjà mis ça, pas bien non. Et là, je pense que avec la responsabilité que le juge doit assumer, dossier, Mme Koch l'a pas attendu, tout l'autre dossier pour attendre, notamment recours que nous avons fait contre arrêté Jovenel Moïse te prend pour CEP. Pas bien que Jovenel Moïse, le 18 septembre 2020, a pris un arrêté donnant des pouvoirs d'organiser un référendum à un CEP. Mes amis, regardez, en Atlantique 190, 191, 192, maman loi paysan. Il n'a jamais été question de donner une attribution ou de faire un référendum à un CEP. Donc, non sans ça, nous pensons que arrêter arbitraire ça, les cours l'ont pas siégé correctement, ils pourraient venir pour le rapporter. C'est le juge instructeur. Eh bien, dans un premier temps, premier élément d'information aussi important pour l'autre monde dans le cadre d'enquête, qui pourrait l'autre monde dans le cadre d'enquête, puisque ou pas qu'à parler de flagrance encore. Nous-mêmes, en résumé, nous croyons que ce n'est pas intéressant pour la police nationale. Eh bien, mettez dans la vie de recherche là que magistrat, eh bien, il y a une infraction reprochée, c'est vol à Miami. Deuxième bagage nous dit, si ça qu'a fait là, ce n'est pas persécution liée, nous croyons que petit président a un mot pâle pour le rendre par rapport à 10 pour le faire. Nous croyons madame président a un mot pâle pour le dire, pas devant la justice par rapport avec 10 pour le faire. Nous croyons citoyen sud là, ancien magistrat, ancien sénateur, qui parle de Paris, il a aussi son mot à dire, pas devant la justice. Et pour finir, nous dit que dossier ça, pas de l'autre bagage pour le commissaire du gouvernement fait, c'est par le biais de son réquisitoire d'informer, déférer le dossier définitivement
eh bien, devant une juridiction d'instruction, et que pour tout reste élément, tout reste enquête là, est important. Nous-mêmes, nous pas insensibles par rapport avec l'assassinat ancien président Jovenel Moïse. Au contraire, nous condamnons ça énergiquement. Plusieurs organisations de base qui proche opposition ont annoncé une grosse manifestation dans la rue Port-au-Prince, journée 28 juillet, qui a sorti sous place Constitution sous champ de masse pour aller bout devant l'ambassade américaine dans Nantaba. Objectif lever campé ça, donc c'est pour dénoncer Madame Michelle Sisson, qui est ambassadeur américain en Haïti, qui lui-même joue un poste dans Washington et qui toujours chita dans le pays d'Haïti qui a fait politique. Il dit qu'il voulait imposer le pays d'Haïti à un premier ministre sans président en violation avec l'article 133 de la Constitution pays d'Haïti qui dit gagner un exécutif à deux têtes, un premier ministre avec un président. Organisation SAIO dit mais yo appuyé Joseph Lambert comme président tire Sénat mais pour diriger disons pour diriger SAIO les transitions dans pays d'Haïti. Donc nous invitons à écouter Kossi David avec yon l'autre membre organisation. Ensemble organisation de base. C'est madame Naline ouvert trois filières à trois. Ambassadrice trois filières à trois. Ensemble militants de base. Je vous salue le gars, je vais dire madame trois filières à trois. Je choisis Lambert, je vais devant l'ambassade américaine. Moi-même, pour cette habitude présent, et je vous sens dirigeant à présent. Parce que je dis ça bien, peuple a une souffrance absolue. Je dis, la suite de Ariel prend tête gouvernement, nous sentons que les bloqués là. Nous-mêmes, organisation de base, nous chita, en consultation, nous choisissons Lambert. Et je dis, avec l'ambassadrice Simpson, attention, vous serez évident dans le pays, nous. T'es des salines, c'est pas pour dire nous ça. Je dis à qui démocratique ça? Ou pas qu'à une caselle pour nous-mêmes? Selon la constitution de pays, nous avons deux têtes de gouvernement qui sont gouvernés de bicéphale. Je dis à, nous sommes dans la même continuité de PHTK, malgré nous disons tout le monde la donne. Cependant, pour tout le monde la donne, il faut que le président qui vous là, côté de le premier ministre, pour le respecter, pour appliquer la politique du président. Je dis à, nous sentons que Ariel Henry, nous avons pensé qu'il a dirigé pour compris. Cependant, c'est bien, on va prendre joy. Nous même la classe politique, les militants politiques, organisation de base, nous choisissons Lambert, Joseph Lambert, comme nouveau président. Je me suis levé ensemble des organisations dans la rue, dans une manifestation qui a sorti et place Constitution et qui peut arriver devant l'ambassade américaine pour quel côté nous pouvons demander. Constitution pas par nous une seule tête, premier ministre pas de droit et c'est seul président qui doit signer un décret. D'après l'article 133 de la Constitution, il faut que le pays a doté de un président provisoire qui va bicéphale et qui va diriger le pays comme ça doit être. Demain, ensemble des organisations dans la rue pour rejoindre l'autre ensemble des organisations politiques et nous allons permettre, nous allons dire. Madame ambassadrice, ou bien monsieur l'ambassadeur, même si nous pouvons demander à nous, au président Joseph Lambert, comme président. Toujours information qui concerne les questions, et bien débat politique là dans le pays d'Haïti, il y a un envoyé spécial pays États-Unis dans le pays d'Haïti, Daniel Foot. Et bien monsieur retourné dans Washington après plusieurs jours, il était passé dans le pays d'Haïti côté. Il était rencontré plusieurs acteurs importants sur la question de la crise politique là pour être capable de brasser l'idée pour que les gens soient capables de joindre une solution. Daniel Foot est bien gagné pour le présenter rapport by Doc Superiel dans Washington. Donc, elle a bien pour le retourner dans le pays d'Haïti d'après mission Washington a gagné pour confier dans l'objectif pour joindre une solution, un consensus largement large ensemble avec donc différents secteurs dans le pays d'Haïti pour être capable de mettre une autre administration, une autre pouvoir. Donc, pour capable diriger pays d'Haïti. Amis téléspectateurs, amis internautes, c'est là nous camper avec édition information ça. Nous remercions pour écouter avec attention. C'était amis frères Met Info qui t'observe. Nous casser rendez-vous demain, même le à même chaîne. Si papa bon Dieu content. À bientôt.